إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours numéro 9 dans l'explication de Kashf al-Shubuhat, le sharh de Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Et donc c'est un grand livre parmi les livres du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et on continue avec les questions et réponses qui ont été posés au Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. On lui a posé la question suivante. Radiallahu anil mashfu'i lahu alaysat shartun min shurut al-shafa'a. Al-jawab bala. Sual. Izan shafa'atu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li'ammihi wa qabulillahi li thalik. Al-jawab hadhihi khassa shafa'a lahu ولكن لم يقبل منه فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وذلك قبل أن يعلم فلما علم بعد ذلك ترك الشفاعة لما شفع قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنه لا ما لم أنه عنك هكذا في البخاري فلما نهى عنه كف عن ذلك. Donc la première question, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne pour qui on a intercédé, n'est-ce pas que c'est une condition parmi les conditions de l'intercession? Le cheikh il répond, il dit oui certes. Alors ensuite une autre question, et donc dans ce cas l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle et l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala de cela, en voulant dire que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un mushrik. Donc puisque une des conditions pour qu'on intercède pour quelqu'un, il faut que cette personne soit un musulman sur le tawhid. Donc comment expliquer l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle alors qu'il était mushrik? Le cheikh il répond, il dit cette intercession là elle était particulière, il a intercédé pour lui mais cela n'a pas été accepté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et il a révélé par la suite le verset 113 dans sourate At-Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mushrikines même s'ils sont ils sont des gens de sa famille ou qui sont des gens parmi ses proches. De même que cela était avant qu'il le sache, c'est-à-dire avant qu'il connaisse le verdict. Mais lorsqu'il sut, alors après il a abandonné l'intercession pour lui. Il a cessé de demander l'intercession pour lui. Parce qu'il avait dit auparavant dans son intercession: je vais demander pardon pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas.
Donc je vais demander pardon pour toi, c'est-à-dire il parle à son oncle, il dit je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas, c'est-à-dire tant que Allah ne me l'interdit pas. Et c'est ainsi également mentionné dans Al-Bukhari, ce hadith est mentionné dans Al-Bukhari. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit par la suite, donc il a cessé de demander l'intercession pour lui et de demander pardon pour lui. Une autre question. Wa Abu Nabi alayhi salatu wa salam. Al jawab Abu Nabi wa ummuhu kana fil jahiliya. Mata fil jahiliya. Wa fil hadith inna abi wa abaka fil nar. Wa sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbahu an yastaghfir li ummihi falam yu'zan lahu li'annaha matat fil jahiliya ala dini qawmiha ibadatul awthan. Donc on a posé la question au cheikh, de même que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il répond, le père et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient dans la jahiliya, et ils sont tous les deux morts à l'époque de la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, avant yani la période de l'islam. Et comme c'est mentionné dans le hadith authentique qui dit « Mon père et ton père sont dans l'enfer ». Lorsqu'un homme est venu lui poser la question, il a à propos de son père, il a dit « Mon père et ton père sont en enfer ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à son Seigneur de pardonner, la permission de demander pardon pour sa mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas permis de demander pardon pour sa mère, parce qu'elle est morte dans la jahiliya sur la religion de son peuple, l'adoration des idoles. Ensuite, on a posé la question au cheikh. Hal qamat alayhim al-hujjah? Est-ce que la preuve a été établie sur eux? Al-jawab, la'allahu ja'ahum min dini Ibrahim ma qama alayhim al-hujjah. Donc, on a posé la question, est-ce qu'on a établi sur eux la preuve? Et la réponse, le cheikh il dit, il se peut qu'il leur soit parvenu de la religion d'Abraham, ce qui est suffisant pour établir sur eux la preuve. As-su'al, ya cheikh, ma dhakarahu ibn Hisham fi sirah min annahu وصل إلى قبر أمه ثابت. Et c'est-à-dire ils ont posé la question au Cheikh Ibn Baz, ce que Ibn Hisham a rapporté dans As-Sira, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il serait allé pour aller visiter la tombe de sa mère. Est-ce que ça c'est confirmé? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est authentique? Le cheikh il répond, il dit ثابت من أنه زار واستأذن ربه أن يزورها فأذن له في زيارتها يدل على جواز زيارة الكافر في الجاهلية زيارة للعبرة وليس للاستغفار. فأذن له أن يزورها ولم يأذن له أن يستغفر لها. Donc le cheikh il répond, il dit ça c'est oui, c'est authentique. C'est authentique le fait qu'il ait visité la tombe de sa mère et qu'il ait demandé la permission à son Seigneur de visiter sa tombe. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de la visiter. Et Cheikh il dit wa yadullu ala jawazi, donc cela montre la preuve qu'il est permis de visiter la tombe du kafir qui est mort dans la jahiliya. Et c'est une visite pour y prendre des leçons, pour réfléchir sur la mort et des choses comme ça, et non pas une visite dans le but de demander pardon pour le mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission de visiter la tombe de sa mère, mais il ne lui a pas permis
de demander pardon pour elle. Ensuite, on a posé une autre question au Cheikh. Ya Cheikh, ma zakarahu min annaha aslamat wa hakada. الجواب لا أصل لها كلها باطلة الذي يقول أن أبا طالب أسلم وأن أباه وأمه أسلما كلها روايات باطلة. Donc une autre question qu'on a posé au Cheikh. Bien Cheikh, qu'est-ce qui a été dit au sujet de la mention que elle se soit convertie à l'islam, et ainsi de suite. Donc le cheikh il répond à ça, il dit il n'y a aucun fondement à cela, tout cela est faux, hein, ce sont des choses qui sont complètement fausses. Et celui qui dit que Abu Talib s'est converti à l'islam, de même que son père, c'est-à-dire le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa mère se sont convertis à l'islam, toutes ces narrations sont des narrations qui sont fausses. Parce qu'il y a beaucoup de soufis qui se réfèrent à ces narrations-là et qui prennent ça comme étant une réalité, alors que c'est pas supporté par aucun hadith authentique. Donc c'est pas basé sur une preuve. Il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. Ensuite, on a posé la question ensuite au cheikh, وهل من مد الأرجل في المسجد أمام المصاحف يجوز مع وجود الناس مع أنه من شروط العدالة في الشاهد عدم الوقوع في شيء من خوارم المروءة وعدم الأكل في الشارع ومد الأرجل منها بدون عذر والخروج للناس حاسر الرأس منها. Donc on a posé la question au Cheikh. Est-ce que c'est permis d'étendre les jambes dans la mosquée en direction devant le mushaf ou devant les masahif? Et est-ce que c'est permis avec la présence des gens autour, malgré qu'il est on sait que c'est une condition pour accepter un témoin, pour considérer que ce témoin est un témoin qui est honnête et juste, parmi les conditions de ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit tombé dans quoi que ce soit de ce qui nuit à le sens du respect et de l'honneur, comme par exemple qu'il ne faut pas que ce soit une personne qui mange dans la rue ou qui étend ses jambes en présence devant les gens, ou bien qui marche dans la rue par exemple la tête découverte sans excuse. Donc il pose la question au cheikh à ce sujet-là. Le cheikh il répond, il dit إذا دعت الحاجة يمد رجله أما إنسان ما دعت له الحاجة أن يمد رجله بين الناس ليس من المروءة وكذلك في بلد يحترمون الأكل في الأسواق ولا يرضون به فالذي يمشي في الأسواق ويأكل مخالفا لهم يدل على خفة في العقل وقلة مبالاة. Donc le cheikh il répond, il dit si il y a un besoin quelconque pour que la personne étende ses jambes, donc dans ce cas-là c'est permis, mais si la personne elle étend ses jambes alors qu'il n'y a aucun besoin de le faire et il fait ça parmi les gens, ça fait pas partie des bonnes manières. De même que dans un pays où les gens ont respecte le fait que quelqu'un ne doit pas manger par exemple dans le marché et qu'ils ne sont pas satisfaits de ça, et que quelqu'un arrive puis il marche dans le marché et il dans la rue et puis il mange devant les gens comme ça, ça c'est en contradiction avec les mœurs des gens, et donc ça indique que la personne elle réfléchit pas, elle n'a pas de raison. Où elle a peu d'intérêt, elle donne peu d'intérêt aux gens. Donc, ça c'est quelque chose qui est mauvais, quelque chose que quelqu'un ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'il faut respecter les mœurs et les bonnes manières qui sont connues chez les gens. Ensuite, on a posé la question au cheikh, Mad al-Arjul Amam al-Masahif.
الجواب ما دام أنه ما قصد الإهانة بل لأنه محتاج أن يمد رجله فلا بأس. Donc le cheikh il dit d'étendre, parce qu'on lui a posé la question, d'étendre les jambes devant le masahif, parce qu'il n'avait pas répondu à ce sujet-là dans la réponse précédente. Alors ils lui ont reposé la question et étendre les jambes devant le mushaf. Donc le cheikh il répond, il dit si la personne, du moment que la personne n'a pas eu l'intention de dénigrer le mushaf ou de manquer de respect au mushaf, il a juste eu besoin d'étendre ses jambes. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a posé la question الوالدان اللذين الوالدان الذين زجع على فرتهم هل يشفع فيهم يوم القيامة؟ الجواب الأفراد يشفعون والواجب عليهم هو التوبة إذا كان ناح عليهم أو شق ثوبا فإنه يتوب وتقبل الشفاعة. Bon, cette question ici, j'ai pas vraiment bien compris. Il y a quelque chose dans la question et dans la réponse qui est pas clair pour moi. Donc, je vais passer tout de suite à l'autre question. السؤال الشفاعة الخاصة. الجواب الشفاعة لأبي طالب وشفاعتان خاصتان. الشفاعة لأهل الموقف. الشفاعة في أهل الكبائر هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, on lui a posé la question à propos de l'intercession qui est particulière au prophète صلى الله عليه وسلم. Alors il répond, il dit que l'intercession qui est particulière au prophète صلى الله عليه وسلم, il y a l'intercession pour Abu Talib, l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم, puis deux intercessions particulières. L'intercession pour les gens au jour de la résurrection, lorsque les gens sont en train d'attendre le jugement. Et l'autre intercession, c'est l'intercession pour les musulmans qui ont fait des grands péchés, pour qu'ils ne rentrent pas en enfer, ou bien pour qu'ils sortent de l'enfer. Donc, je pense que c'est plutôt pour qu'ils ne rentrent pas en enfer, les gens qui ont commis des grands péchés. Ça, c'est l'intercession pour les gens qui ont commis des grands péchés, des kaba'ir. Et cette intercession, elle est particulière au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il dit, l'intercession pour les... il dit, « Al-shafa'atu li ahl fi ahlil mawqif, hadhihi khassatun. » يتأخر عنها جميع الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يتأخرون هذه خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة الثانية في أهل الموقف في أهل الجنة في دخول الجنة وهناك ثالثة خاصة بأبي طالب شفاعة في أن يخفف عنه فإنه كان في عمرات من النار فيشفع له فصار في ضحضاح من النار يغلى منها دماغه. Donc le cheikh il continue la réponse, il dit que l'intercession pour les gens lorsqu'ils attendent, lorsqu'ils sont debout à attendre le jugement, cette intercession là elle est particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres messagers, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, ils vont tous dire que c'est pas pour eux cette intercession là. Ils vont tous se reculer vis-à-vis de cette intercession. Et elle est particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième intercession, c'est donc l'intercession pour les gens du mawqif, pour les gens lorsqu'ils attendent le jugement, pour qu'ils entrent dans le paradis, hein, pour les gens du paradis parmi eux, pour qu'ils rentrent dans le paradis. Et il y a une autre intercession aussi qui est particulière, une intercession pour Abu Talib, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui diminue son châtiment.
parce qu'il était dans le feu et en intercédant pour lui, il va avoir un châtiment qui est réduit. C'est-à-dire qu'il va être sur des pierres de feu et la chaleur de ces pierres vont faire bouillir son cerveau à cause de la chaleur. Donc ça, c'est quand même un châtiment très, très douloureux, très grand, mais pour lui, il est diminué. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée au cheikh. Il dit, إذا صار مصيبة للكفار هل يجوز للمسلم يفرح الجواب يفرح لها إذا كان فيها نفع للمسلمين يفرح لها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إذا كان شيء ينفع المسلمين انهزم جيشهم هداهم الله للإسلام يفرح. Donc, ils ont posé la question au cheikh, s'il y a un malheur qui touche au kuffar, est-ce qu'il est permis aux musulmans de se réjouir et d'être content de ça? Le cheikh, il répond, il dit oui, il se réjouit pour ça. S'il y a un bien pour les musulmans, il se réjouit. Hein? S'il y a dans ça un bien pour les musulmans, il se réjouit de ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 58, dans Surat Yunus, dit au Muhammad, c'est pour la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Voilà ce dont il doit se réjouir. C'est meilleur pour eux que, c'est meilleur que ce qu'ils rassemblent et ce qu'ils accumulent. Et le cheikh, il continue sa réponse, il termine sa réponse en disant que s'il y a quelque chose qui fait un bien quelconque aux musulmans, comme par exemple que l'armée des koufars est écrasée ou bien qu'elle perd, qu'elle se fait battre, ou que Allah subhanahu wa ta'ala guide les koufars à l'islam, donc les musulmans se réjouissent de ça. Ils doivent se réjouir de ça. Et la question ensuite, إذا كانت زلزلة مثلا في بلد كافر الجواب يفرح لأنها قد تكون موعظة قد تكون فيها هداية. Donc la réponse du cheikh est, ici il y a un tremblement de terre, parce qu'ils ont posé la question, ici s'il y a un malheur comme quelque chose comme un tremblement de terre par exemple dans un pays de Kufr, le cheikh il répond, il dit oui, il se réjouit parce qu'il se peut que ce soit pour eux une exhortation. Ils vont prendre une leçon de ça, ils vont être exhortés de cette façon et ça va être une cause de guidance pour eux par la suite. Donc on se réjouit de ce genre de choses. Donc on a terminé maintenant avec les questions et réponses. Maintenant on va passer au texte de Kashf al-Shubuhat, la suite, avec la lecture de la Shubha numéro 7 et la Shubha numéro 8 qui sont mentionnées dans ce passage. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit فإن قال أنا لا أشرك بالله أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بالشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الذي حرم الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرأ نفسك أو تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا. Donc la Shubha numéro 7, c'est la suivante. C'est que s'il te dit, moi je fais pas de shirk avec Allah, pas du tout, hasha wa kalla, mais
le fait de se tourner vers les hommes pieux, ça c'est pas du shirk. Hein, le fait de se réfugier et de chercher le refuge en les hommes pieux et de se tourner vers eux, ça c'est pas du shirk. Alors le shirk, il dit, dans ce cas-là, tu leur réponds et tu leur dis, si tu es d'accord et tu as accepté ou que tu acceptes que Allah a interdit le shirk et que l'interdiction du shirk est plus grande encore que l'interdiction de l'adultère et de la fornication. Hein? Et que tu es d'accord et que tu affirmes que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le pardonner à celui qui le fait. Il ne va pas pardonner le shirk. Comme c'est mentionné dans le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut. Hein? Donc, tu es d'accord sur ça. Tu es d'accord que Allah ne pardonne pas le shirk. Alors, quelle est cette chose que Allah a interdit, hein, et qu'il a mentionné qu'il ne va pas le pardonner? C'est quoi cette chose, hein? Et il ne le sait pas. C'est-à-dire, il ne sait pas la réponse. Alors, le shirk, il dit, alors dis-lui, comment peux-tu t'innocenter ou te désavouer toi-même du shirk alors que tu ne sais même pas qu'est-ce que le shirk? C'est-à-dire, comment tu peux dire que tu ne fais pas le shirk et que tu ne le pratiques pas alors que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est le shirk? Ou bien comment Allah peut interdire quelque chose et mentionner à son sujet, hein, que c'est quelque chose qu'il ne va pas pardonner, et toi tu ne poses même pas la question à son sujet et tu n'essaies même pas de le connaître? Est-ce que tu penses que Allah interdit quelque chose sans le clarifier, hein, sans nous l'expliquer? Et ça, ce sont des bonnes questions, en fait. Parce que si on entend que le seul péché que Allah ne va pas pardonner, c'est le shirk, donc ça doit nous pousser à nous questionner et à essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Hein? Si on sait que le shirk, c'est plus grave que l'adultère, que le riba, que le zina, que le meurtre, que le vol, que le viol, que tous les autres crimes qui ont pu être commis. Donc si c'est ça la gravité du shirk et c'est le seul péché qu'Allah ne va pas pardonner, alors comment on peut rester une journée sans essayer de savoir qu'est-ce que c'est, hein? Comment on peut attendre jusqu'à demain pour dire, ah, je sais pas qu'est-ce que c'est le shirk, mais je vais attendre à demain je vais chercher sur internet ou dans un livre, je vais regarder qu'est-ce que c'est le shirk, ou je vais essayer de trouver la réponse dans le Coran, qu'est-ce que c'est le shirk. Non, tu dois chercher immédiatement à savoir qu'est-ce que c'est, pour essayer justement de te sauver, pour être capable de dire que tu n'es pas en train de commettre le shirk, hein, pour que tu ne meures pas sur le shirk justement. Hein, donc le shirk, c'est ça, Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, comment tu peux t'innocenter ou dire que tu ne fais pas le shirk alors que tu ne sais même pas ce que c'est le shirk? Et comment Allah subhanahu wa ta'ala interdit cette chose et il mentionne qu'il ne va pas le pardonner et toi tu ne demandes pas à son sujet et tu ne le connais pas? Est-ce que tu penses qu'Allah l'a interdit sans l'expliquer, sans le clarifier? Donc ça c'est pour la septième shubha. Et la huitième shubha, c'est la suivante. Il dit, فَإِنْ قَالَ الشِّرْكُ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ وَنَحْنُ لَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ فَقُلْ لَهُ مَا مَعْنَى عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأشجار والأحجار تخلق وترزق وتدبر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة هو من قصد خشبة أو حجرا هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويسبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فإذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب.
Donc le cheikh il répond, donc il explique premièrement la shubha. Ils disent, et s'ils te disent, ou s'il te dit que le shirk c'est d'adorer les idoles, et il dit, nous on n'adore pas les idoles, alors réponds-lui et dis-lui, qu'est-ce que ça signifie d'adorer les idoles, hein? Qu'est-ce que ça signifie d'adorer les idoles? Est-ce que tu penses que ceux qui adoraient les idoles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient que ces morceaux de bois ou ces morceaux de pierre avaient la capacité de créer, de donner le risque ou de contrôler quoi que ce soit dans l'univers, hein, et qu'ils faisaient ça pour ceux qui les invoquaient? Est-ce que vous pensez qu'ils croyaient ça, que les mouchtikines croyaient ça par rapport à ces morceaux de bois et ces morceaux de pierre, qu'elles pouvaient répondre et créer et donner la subsistance à ceux qui les invoquaient? Le cheikh dit, si c'est le cas, si tu penses ça, alors sache que ça c'est démenti par le Coran. Parce que le Coran nous donne la preuve, hein, dans plusieurs versets, que les mouchrikoun, ils ne croyaient pas en ces choses-là. Ils ne croyaient pas en ces idoles-là. Ils ne croyaient pas que ces idoles-là avaient le pouvoir de créer ou de donner la subsistance, ou ainsi de suite. Mais s'il dit que l'adoration des idoles, c'est de se tourner vers les morceaux de bois et vers les morceaux les morceaux de pierre, les morceaux de bois et les constructions sur les tombeaux ou autres, hein, et de sacrifier des animaux pour ces choses-là. Et ils disent que cela c'est uniquement pour nous rapprocher un peu plus d'Allah, et que c'est pour repousser le mal par la bénédiction de cette idole ou de cette chose qu'on adore, ou de nous donner une bénédiction quelconque. On recherche une bénédiction quelconque par ces choses-là. Alors tu lui réponds, tu lui dis oui. Dans ce cas-là, ça c'est une bonne définition. C'est ça l'adoration des idoles. Et c'est exactement ce que vous faites auprès des pierres et des constructions qui sont fabriquées par-dessus les tombeaux, hein, et d'autres choses de ce genre. Et s'il accepte, hein, s'il accepte que ce qu'ils font, c'est la même chose que l'adoration des idoles, alors c'est ça ce qu'on a voulu obtenir de lui. C'est ça ce qu'on a voulu obtenir de lui, c'est-à-dire comme réponse. Hein, le fait qu'il affirme ou qu'il admette que ce qu'ils font, c'est la même chose que l'adoration des idoles chez les mouchriquines, lorsqu'ils adorent les tombeaux et les hommes pieux et les saints. Donc ça, c'est la même chose que l'adoration des idoles. Le cheikh il dit aussi, on peut lui répondre d'une autre façon, en lui disant, lorsque tu dis que le shirk c'est l'adoration des idoles, est-ce que tu veux, en arabe le cheikh il dit, wa yuqalu lahu aydan قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. Donc le cheikh il dit que on lui dit également à cette personne qui prétend que yani, le shirk c'est d'adorer les idoles seulement. Tu lui dis, est-ce que tu veux dire par là que le shirk c'est spécifique à l'adoration des idoles et des statues, et que le fait de s'appuyer sur les hommes pieux et de les invoquer, que cela ne rentre pas dans le shirk? Le shirk il dit ensuite, alors ça c'est réfuté par ce que Allah a mentionné dans son livre au sujet de la mécréance de celui qui s'accroche et qui s'attache aux anges, à Isa ou aux hommes pieux. Et le cheikh il dit ensuite, il faut absolument, dans ce cas-là, il doit absolument accepter, hein, il doit absolument accepter et affirmer que celui qui a associé,
un d'entre les hommes pieux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, alors il a commis le shirk qui est mentionné dans le Coran. Et c'est ça qu'on veut de lui, hein, c'est ça qu'on attend de sa part, qu'il affirme et qu'il accepte, hein, et qu'il admette ça. Donc ça, ça vient, donc ça c'est la partie de l'explication du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et là on va lire le sharh de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, des explications du Cheikh. Qu'est-ce qu'il explique à ce sujet-là? Donc le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, il dit: مناقشة عباد الأنبياء مناقشة واضحة إذا قرأها طالب العلم اتضح له الأمر فإنك تطالبه بما يلزمه الحجة فإذا قال أنا لا أشرك بالله فإذا قال أنا لا أشرك بالله فقل ما معنى الشرك بالله وما هو الشرك بالله فإذا قال الشرك بالله هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار والأبنية والبنية تخلق وترزق هذا يكذبك هم بينوا أنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أمر واضح ثم تشرح له معنى عبادة الأصنام وأنها التعلق بها والاستغاثة بها والنذر لها وهذا الذي يفعلونه عند قبور الصالحين ويرجون من الملائكة والجن وهذا هو المطلوب أن يعترفوا بأن ما هم عليه من التعلق على الأولياء والصالحين هذا هو الشرك من عبادتهم من دون الله بالدعاء والاستغاثة والاستجارة وطلب البركة. Donc le cheikh il dit donc la discussion avec les adorateurs des prophètes, les gens qui adorent les prophètes et qui adorent les tombes, c'est une discussion et une argumentation qui est claire. Et lorsque le talib ilm il lit ces explications là, eh bien la chose devient claire pour lui. Hein, parce que quand tu débats, quand tu argumentes avec le mushrik, hein, tu lui demandes des choses qui vont faire en sorte qu'il va être obligé de suivre la preuve. Tu lui demandes des choses qui vont lui imposer par la suite de suivre la réalité et la preuve, d'établir la preuve contre lui. Donc s'il te dit par exemple, moi je ne fais pas le shirk avec Allah, tu lui demandes, qu'est-ce que c'est le shirk avec Allah? Chaque fois que tu lui demandes quelque chose, ou qu'il nie quelque chose, ou qu'il affirme quelque chose, tu lui demandes de l'expliquer, et tu lui demandes de donner la signification. Donc quand ici, il dit, je ne fais pas le shirk avec Allah, tu lui dis, ok, explique-moi, qu'est-ce que ça signifie de faire le shirk avec Allah? C'est quoi le shirk? Hein? C'est quoi de faire le shirk avec Allah? Et si il dit de faire le shirk avec Allah, c'est l'adoration des idoles, donc tu lui demandes d'expliquer, ok, c'est quoi adorer les idoles? Hein? Parce que, comme on a expliqué déjà dans les cours précédents, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le shirk avec Allah. Et s'ils répondent que le shirk avec Allah, c'est d'adorer les idoles, l'adoration des idoles, c'est seulement une partie du shirk. Mais ce n'est pas tout le shirk au complet. C'est juste un aspect du shirk. Hein? Et eux, ils veulent essayer de limiter le shirk à cet aspect-là pour essayer de se disculper du shirk. Hein? Alors que la réalité, c'est que le shirk englobe beaucoup plus de choses que simplement d'adorer une idole. Et le shirk, il répond et il dit...
Donc il dit, dans ce cas-là, tu dois lui dire, qu'est-ce que ça signifie d'adorer une idole? Explique-moi, est-ce que tu crois que les mushrikoun, quand ils adorent les idoles, les statues, les choses qu'ils prient, est-ce que tu penses qu'ils font ça en croyant que ce sont ces morceaux de bois et ces morceaux de pierre et ces constructions, que c'est ça qui crée, c'est ça qui donne la subsistance? Si tu penses cela, si tu crois cela, si tu penses que c'est ça leur croyance, alors ça c'est démenti par ce qui est mentionné dans le Coran. Hein? Parce qu'ils ont expliqué eux-mêmes, même comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, que ils affirment et ils croient que c'est Allah le créateur, le seul créateur, que c'est Allah le seul qui donne la subsistance. Et tu mentionnes les versets à ce sujet-là, comme le verset 31 dans Surat Yunus, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire? Et ils diront, Allah. Alors dis-leur, ne le craignez-vous donc pas? Donc ça c'est quelque chose qui est clair. Hein? Puis tu leur expliques ensuite la signification d'adorer les idoles, et que c'est de s'attacher et de s'accrocher aux idoles, de s'attacher aux idoles, de les appeler au secours, de leur faire des vœux pieux, et ainsi de suite, de leur faire des invocations, toutes les formes d'adoration, c'est ça le fait d'adorer les idoles. Et c'est exactement ce que vous faites auprès des tombeaux des hommes pieux. Hein? Et qu'est-ce que vous faites également lorsque vous espérez en les anges et en les djinns et des choses de ce genre? Donc, ils affirment et ils acceptent ça, ils reconnaissent ça, et c'est ça le but, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on recherche lorsqu'on leur pose ces questions-là. On veut les amener à reconnaître ce qu'ils font comme shirk. Hein, donc, s'ils ont reconnu ça et qu'ils ont dit oui, c'est le fait de s'accrocher à des hommes pieux et à des saints, et que c'est ça le shirk, hein, et que c'est d'adorer ou d'offrir une forme d'adoration quelconque à autre qu'à Allah, comme par exemple d'adorer en dehors d'Allah d'autres choses en lui offrant des invocations, en offrant à autre qu'Allah des invocations, ou d'appeler au secours, ou de demander l'aide, ou la protection, ou de demander la bénédiction, ou des choses de ce genre. Donc celui qui fait ça à autre que, pour autre qu'Allah, il a commis le shirk. Et le shirk il dit, « Wa ala kulli hal » تتنزل معه في كل شيء كلما ادعى دعوة تتنزل معه تقول فسر هذا لي ما معنى الشرك بالله ما معنى عبادة الأصنام ما معنى عبادة الله بين له. Donc le cheikh il dit, quand tu vas discuter avec lui, chaque fois qu'il te ramène quelque chose, tu descends avec lui dans le débat et dans la discussion, et chaque fois qu'il va prétendre quelque chose, hein, qu'il va ramener une prétention ou il va dire quelque chose par rapport à l'islam, tu lui demandes de l'expliquer et de donner sa signification. Donc tu lui dis par exemple, explique-moi, c'est quoi la signification du shirk, c'est quoi l'adoration, qu'est-ce que ça signifie l'adoration des idoles, qu'est-ce que ça signifie adorer Allah, hein? Explique-moi, clarifie. Et donc, si le cheikh dit, فَإِذَا فَسَّرَ ذَلِكَ بِمَا يُخَالِفُ الشَّرْ فَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَدَّعِي شَيْئًا وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ وَإِذَا فَسَّرَ بِمَا يُوَافِقُ الشَّرْ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ هَذَا الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ تَعَلُّقٌ بِالْأَمْوَاتِ وَالْأَحْجَارِ تَسْتَغِيثُونَ بِهَا تَنْظُرُونَ لَهَا تَذْبَحُونَ لَهَا هذا هو الذي عليه المشركون من قريش وغيرهم. Donc le cheikh il dit, si tu leur demandes d'expliquer et puis qu'ils expliquent d'une manière qui est en contradiction avec la charia, avec le Coran et la sunna, alors dans ce cas-là tu leur dis, comment pouvez-vous prétendre quelque chose alors que vous ne le connaissez même pas, hein? Comment vous pouvez prétendre que vous ne faites pas le shirk, ou que le shirk c'est l'adoration
des idoles, ou qu'est-ce que c'est l'adoration d'Allah, vous savez même pas qu'est-ce que c'est. Vous utilisez des termes que vous ne maîtrisez même pas, que vous ne connaissez même pas. Donc s'il l'explique d'une manière qui est en contradiction avec la charia, hein, tu leur dis ça et tu leur expliques la vraie signification par la suite. Et s'ils expliquent incorrectement, s'ils expliquent de façon correcte, c'est-à-dire ils donnent la bonne définition, alors tu dis Alhamdoulilah, c'est ça le but, c'est ça qu'on recherche. Et donc c'est ça le shirk. Si la personne explique correctement que le shirk c'est d'adorer autre que Allah ou d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration et ainsi de suite, et qu'il donne des exemples d'adoration, c'est ça l'objectif, c'est ça le but. Et donc tu lui dis par la suite, et c'est exactement ce que vous faites, hein, avec les morts et avec les pierres, hein, vous les appelez au secours, vous leur faites des vœux pieux, vous sacrifiez vous leur faites des sacrifices et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que faisaient les mouchriquins de Quraysh et les autres mouchriquins également, hein, c'est comme ça qu'ils adorent, qu'ils adoraient leurs idoles et ainsi de suite. Donc le cheikh dit falamma saha bihim al-haq wa anzarahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam istankaru wa ajibu min dhalika wa qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wa qala subhanahu anhum إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Donc le cheikh il dit lorsque la vérité les a appelés et lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم les a avertis, ils ont renié et ils se sont étonnés de cela, hein, lorsque les mouchriquins qui adoraient les idoles, hein, ils ont été appelés et avertis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont nié et ils se sont étonnés de ça. Ils ont dit, comme c'est mentionné dans Surat Sad, le verset 5, est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une divinité unique? C'est certes une chose étonnante. Et il a mentionné également le verset 35 et 36 dans Surat Safat, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des mouchriquins, eux, lorsque on leur disait rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou, hein? Mais et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, mais certes il est venu avec la vérité et il a confirmé les messagers. Donc le cheikh il dit ensuite, wa hum yajhaluna haqiqata ma hum alayh, yajhaluna ash-shirk, yajhaluna 'ibadata allati khuliqu laha, wa idha da'ahum da'i al-haq sahu bihi واستنكروا دعوته لجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لأسلافهم الضالين ولكن من أراد الله هدايته يتعقل عند الدعاء ويتعقل ويتبين ثم يقابل ويوافق الحق هذا من أراد الله له الهداية. Donc le cheikh il dit, ces mouchriquins en réalité, ces gens-là, ils ignorent la réalité dans laquelle ils sont. Ils ignorent la réalité dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, ils ignorent la réalité de ce sur quoi ils se tiennent. Ils ignorent que qu'est-ce qu'ils font, c'est le shirk. Ils ignorent la réalité de l'adoration pour laquelle ils ont été créés. Et lorsqu'ils sont appelés à la vérité, ils crient. Et ils renient l'appel, ils rejettent l'appel à cause de leur ignorance et à cause de leur détournement, parce qu'ils se détournent et parce qu'ils suivent aveuglément leurs ancêtres ou ceux qui les ont précédés parmi les égarés. Mais celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la guidance, eh bien il va réfléchir lorsqu'il va être appelé, hein? Il va réfléchir et il va
voir clairement, puis il va accepter la vérité et il va se mettre en accord avec la vérité. Ça, c'est pour celui pour qui Allah a voulu la guidance. Ensuite, le Cheikh dit كان الصحابة في مكة والمدينة من أراد الله له الهداية أقبل على الحق كالصديق وعمر بعد مدة طويلة وأبي طلحة وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم من المهاجرين وهكذا الأنصار الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا إليه في مكة وعلمهم واستجابوا للحق وفهموا الحق ورجعوا دعاة إلى قومهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم أن يبث فيهم الدين وينشر بينهم الدعوة لما أراد الله لهم الهداية تبصروا وقبلوا الحق وصاروا دعاة للحق بعدما كانوا دعاة الباطل هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc le cheikh il dit les sahaba quand ils étaient à Mecca et à Medina, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien, celui pour qui Allah a voulu la guidance, eh bien il a accepté la vérité, comme As-Siddiq et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma après un certain temps, et également Abu Talha, Talha ibn Ubaydillah, et Zubayr ibn al-Awam, et d'autres également parmi les Muhajirin, et de même que les Ansar, ceux qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par délégation lorsqu'il était à Mecca, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné, ils ont accepté la vérité, ils ont compris la vérité, et ils sont retournés à leur peuple en les invitant à l'islam, et ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait la hijra vers eux par la suite, ils ont donné l'allégeance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait venir parmi eux pour propager la religion et propager la da'wa parmi eux. Et le cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour eux la guidance et la science, ils ont accepté la vérité. Ils sont devenus des gens qui invitent à la vérité après avoir aidé des gens qui appelaient à la fausseté. C'est-à-dire qu'auparavant ils appelaient à la fausseté, maintenant ils sont devenus des gens qui appellent à la vérité. Et ça c'est une parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 58 dans sourate Yunus, dit c'est par la grâce d'Allah et par sa, dit c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà ce dont ils doivent se réjouir, c'est mieux que ce qu'ils rassemblent. Donc ça c'est la réalité, comment des gens avant l'islam ils appelaient à de la fausseté et à de l'égarement, et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à l'islam, et comment aujourd'hui alhamdoulillah par la grâce d'Allah maintenant ils appellent à la vérité, ils appellent au tawhid, ils appellent à la sunna, et donc ça c'est l'exemple des sahaba aussi, c'est l'exemple des sahaba que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés à l'islam et qui sont devenus des lumières pour l'humanité par la suite. Donc le cheikh il dit فَأَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اِدْرَعْ إِلَى اللَّهِ اِدْرَعْ إِلَى رَبِّكِ وَسَلْهُ دَائِمًا أَنْ يَمْنَحَكَ التَّوْفِيقِ وَأَنْ يَمْنَحَكَ الْبَصِيرَةِ وَأَنْ يَفْتَحْ قفل قلبك حتى ترى الحقائق على ما هي عليه وحتى تبصر الأمور على ما هي عليه وعليك أن تجتهد في صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار فإن صحبة الأخيار تعينك
على تعينك على الحق وتبصرك وتبصرك بعيوبك أما صحبة الأشرار فهي تعمي عن الحق تعمي عن الحق وتدعو إلى الباطل والجمود على عادات الأسلاف والأكابر ولا حول ولا قوة إلا بالله وفق الله الجميع. Donc le cheikh il termine ce point en expliquant que ô toi serviteur d'Allah, yani sois humble envers Allah, envers ton Seigneur, et demande-lui toujours qu'il te donne le succès et qu'il te donne la compréhension et la connaissance et qu'il ouvre les cadenas de ton cœur pour que tu puisses voir les réalités, la réalité de ce sur quoi tu es. Pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et fais des efforts pour rester avec les meilleurs compagnons. Et pour t'écarter des mauvaises personnes. Parce que le fait de rester avec les personnes de bien et les meilleures personnes, c'est quelque chose qui t'aide à la vérité. Et qui t'aide à voir tes défauts. Tandis que lorsque tu restes avec les personnes mauvaises, eh bien c'est quelque chose qui te rend aveugle. Qui t'aveugle de la vérité et qui t'invite à la fausseté et qui t'amène à rester figé, à rester immobile et à rester pris dans des fausses traditions, les traditions de tes ancêtres et des personnes que les gens prennent comme étant des grandes références ou des grands exemples, alors qu'en réalité ce sont des gens qui ne retournent pas à la vérité. Wala hawla wala quwwata illa billah waffaqa Allahu al-jami'. Donc le cheikh il termine par ce rappel et par cette exhortation qui est vraiment remplie de bien, remplie de sagesse, qui illumine le cœur et qui fait réfléchir en fait sur beaucoup de choses. Donc c'est très très bénéfique. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui et lui pardonne ses péchés et lui illumine dans sa tombe, l'illumine dans sa tombe et lui donne Jannat al-Firdaus al-A'la rahimahullah. Donc ensuite on a posé au cheikh quelques questions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire quelques questions encore et puis on continuera par la suite la semaine prochaine, parce qu'il reste encore quelques minutes. Donc étant donné qu'on a terminé, on va lire les questions et réponses du prochain ce cours. السؤال إذا نسي شيئا هل يقرأ سورة الفاتحة؟ الجواب بدعة. إذا أشكل عليك يذكر الله. إذا أشكل عليه يذكر الله. لا إله إلا الله أو سبحان الله. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. إذا كان قصدك ناسي إذا كان قصده ناسيا يذكر الله. أما إذا كان قصده البحث العلمي يبحث. قال رسول الله ما عندك يا فلان في هذه المسألة؟ ما هو الدليل على كذا؟ ما هو الدليل على كذا؟ Donc, on a posé la question au cheikh. Si quelqu'un il oublie quelque chose, est-ce qu'il récite surat al-Fatiha? Et le cheikh il répond, il dit ça c'est une bid'a. Que des gens, quand ils ont oublié quelque chose, ils commencent à réciter al-Fatiha, ça c'est une bid'a. S'il y a quelque chose qui cause problème, tu te rappelles d'Allah, tu te souviens d'Allah, tu mentionnes Allah, tu dis la ilaha illallah, subhanallah. Parce que Allah dans le Coran, il dit dans le verset 24, dans surat al-Kahf, وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. C'est-à-dire lorsque tu oublies, mentionne le nom de ton Seigneur ou mentionne ton Seigneur. Donc souviens-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies. Et si le but c'est que la personne, si le point c'est que la personne a oublié, donc elle se souvient d'Allah. Mais si c'est la recherche de la science, que la personne elle essaie de chercher la science, donc elle dit, Allah a dit, le messager a dit, qu'est-ce que tu as comme question
ou qu'est-ce que tu as comme réponse à propos de cette, de ce sujet ou de cette question? C'est quoi la preuve à propos de telle ou telle chose? Donc la personne, elle va mentionner les versets ou les preuves à ce sujet-là, les hadiths à ce sujet. La question, ensuite. يقول بعض الناس أنا دخيلك. الجواب إذا كان شيء يقدر عليه لا بأس. مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم استجار بالمطعم بن عدي لما نزل من الطائف بعد موت أبي طالب وكان في مكة في جوار عمه أبي طالب من الشيء الذي يستطيعه من الكفرة. يقول أنا دخيلك من أهل البلد الفلاني أو من جيرانك أو أبنائك إذا كان يستطيع. Donc quel est le verdict au sujet de la personne qui, de certaines personnes qui disent أنا دخيلك. Le cheikh, il répond, il dit si, la, si c'est quelque chose que la personne est capable de faire, il n'y a pas de problème. Comme par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Taif après la mort d'Abu Talib, hein, il a demandé la protection de Al-Mat'am ibn Adi, hein, qui était à Mecca. Donc quand il est venu, كان في مكة في جوار عمه أبي طالب من الشيء الذي يستطيع. Donc quand il était à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à côté de son oncle, et ça c'est quelque chose que il était capable de faire, hein, il le protégeait des kuffars et ainsi de suite. Donc si tu demandes la protection à quelqu'un et que c'est quelque chose que la personne est capable de faire, dans ce cas là il n'y a pas de problème, hein, tu dis أنا دخيلك من أهل بلد الفلاني. Hein? Min jiranika. Donc je vais te protéger de, d'un tel ou d'un tel, et ainsi de suite. Si, t'es capa- si c'est quelque chose que la, la personne est capable de faire, ça, il n'y a pas de problème. Hein, c'est permis. Mais si c'est demander la protection à des morts, hein, ou des gens qui sont dans la tombe, ça, c'est shirk. Mais si c'est un être qui est vivant et qui a la capacité, ça, il n'y a pas de problème. السؤال بعض الناس يقول إن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية. الجواب أخصها ترك الشرك. الحاكمية من فروع الأحكام، يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع. أما إذا حكم بغير الشرع فيه تفصيل، إذا حكم به عن عمد واستحلال كفر، وإن حكم لهوى ورشوة ورشوة صار معصية ومنكرا وكفرا أصغر، وهذه من مفردات الشرائع التابعة لتوحيد العبادة. Donc on a posé la question au Cheikh. Certaines personnes disent que Al-Hakimiyya, c'est une des caractéristiques les plus particulières d'Allah, de Al-Uluhiyya, de la divinité, de l'adoration. Donc certaines personnes disent que Al-Hakimiyya, c'est-à-dire le fait de prendre Allah pour juge, c'est une des caractéristiques les plus particulières de, la, de l'adoration. Le cheikh, il répond, il dit non, une des, la, la caractéristique la plus particulière de Al-Uluhiyya, c'est l'abandon du shirk. Al-Hakimiyya, c'est une des branches parmi les règles. Et il est comme par exemple, il explique, il est obligatoire aux dirigeants de juger selon les, la révélation. Mais s'il juge par autre que la révélation, il y a un détail à ce sujet-là. C'est-à-dire, il faut détailler ce sujet-là. Si la personne juge par autre que la loi d'Allah, volontairement et en rendant cela halal, hein, il rend cela halal, dans ce cas-là, il a mécru. Mais s'il juge par autre que la loi d'Allah pour une passion ou à cause d'un pot de vin qu'il a reçu ou des choses comme ça, alors ça devient un péché, hein, quelque chose qui est mauvais, et un kufr mineur, hein, et donc ça, ça fait partie des éléments qui font qui composent les différentes législations qui suivent dans le tawhid de l'adoration ou qui rentrent dans le tawhid de l'adoration. On a posé ensuite la question au cheikh, tadkhulu fi tawhid ar-rububiyya aw tawhid al-uluhiyya. الجواب تختلف تارة تدخل في الكفر تارة تدخل في المعاصي مثل مسألة الزنا ومسألة الخمر
إن استحلها صار كفرا وإن لم يستحلها صار معصية. Donc ils ont posé la question au cheikh, est-ce que ça rentre dans le tawhid al-rububiyya ou bien dans le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté, dans la seigneurie, ou bien dans l'unicité d'Allah dans l'adoration. Le cheikh il répond, il dit ça dépend, parfois ça rentre dans le kufr, parfois ça rentre dans les péchés. C'est comme par exemple la question de l'adultère, la question de l'alcool, celui qui le rend halal, ça devient du kufr. Mais s'il ne le rend pas halal, c'est un péché. On a posé une autre question ensuite au cheikh. بالنسبة للمفكرين الإسلاميين بعضهم يطلق عليهم العلماء كيف يكون هذا الجواب إذا كان عندهم علم المستشرقين الجواب ليس علماء منهم نصارى ensuite il pose une autre question من أسلم منهم الجواب إذا كان عندهم علم فهم علماء وإذا كان وإن كان الله هداهم للإسلام يصيرون مسلمين أما إذا كان عندهم علم بالكتاب والسنة فهم مثل غيرهم من العلماء يطلق عليهم علماء على قدر علمهم. Donc ils ont posé la question au cheikh, ils disent à propos des penseurs islamiques, certaines personnes les qualifient de ulama, comment cela est-ce possible? Et le cheikh il dit ça dépend s'ils ont du science, s'ils ont de la science. Et après on lui a posé une autre question. Et les orientalistes, il répond, il dit non, ce ne sont pas des ulama, il y a parmi eux des chrétiens. Et il dit, et si ils se convertissent à l'islam? Le cheikh il dit, s'ils ont de la science, alors ils sont des ulama. Et si Allah les a guidés à l'islam, ils deviennent des musulmans, et qu'ils ont une science du livre de la sunna, alors comme les autres, ils deviennent des ulama, et on va les appeler des ulama selon la proportion de la science qu'ils ont. Et ensuite, la question suivante, حكم من حكم بغير ما أنزل الله. Le verdict au sujet de celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. الجواب لو حكم بغير ما أنزل الله لهوى يكون كفرا دون كفر ما لم يستحل إما لأجل أن يثبت في ملك أو يرضى أو يرضي فلان أو يرضي فلان أو من أجل فلان لا يعلم أنه مخطئ لا يعلم أنه مخطئ وظالم يكون معصية دون الكفر ما دام لم يستحلها فهو كفر دون كفر فإذا استحلها كفر كفرا أكبر وهكذا الزنا لو زنى بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحل ولو قتل مئة قتيل ولم يستحل لم يكفر مثل قصة الذي قتل 99 ثم كمل المئة. Donc ils ont posé la question au cheikh, le verdict de celui qui juge par autre que la loi d'Allah. Et le cheikh il répond, le cheikh Ibn Baz il dit, celui qui juge par autre que la loi d'Allah, ou par autre que ce que Allah a révélé, à cause d'une passion. Dans ce cas-là, c'est un kufr qui est moindre que le kufr, c'est-à-dire kufrun duna kufr, c'est-à-dire un kufr mineur. Tant qu'il ne le rend pas licite, tant qu'il ne le rend pas halal. La personne elle juge par autre que la loi d'Allah pour pouvoir rester au pouvoir, parce qu'il veut rester au pouvoir, ou bien parce qu'il veut faire plaisir à une personne quelconque, ou bien pour une personne en particulier, et il ne sait pas qu'il a fait une erreur ou il est injuste. Dans ce cas-là, c'est un péché qui est moindre que le kufr tant qu'il ne l'a pas rendu halal. C'est un kufr qui est moindre que le kufr, c'est-à-dire qui est en dessous du kufr qui fait sortir de l'islam. C'est pas un kufr majeur, c'est un kufr mineur. Par contre, s'il le rend halal, il rend ça licite, dans ce cas-là, c'est un kufr qui devient un kufr majeur. De la même façon que celui qui
fait le zina, même s'il fait le zina avec 100 femmes, il ne devient pas mécréant tant qu'il ne l'a pas rendu halal. De même que celui qui a tué 100 personnes, tant qu'il ne l'a pas rendu halal, il ne devient pas mécréant. Il dit c'est la même chose pour... c'est comme dans l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes, puis qu'après il a complété avec le centième. Hein? Il n'est pas devenu mécréant pour ça. Hein? Donc, c'est un point très important, et ça réfute les takfiriyin. Ça vient réfuter les takfiriyin, hein, et les khawarij qui font le takfir des dirigeants parce que les dirigeants font de l'injustice ou font un jugement qui est contraire à la sharia ou des choses comme ça, et eux ils le déclarent kafir automatiquement. Donc ça vient réfuter ces gens-là. Cette réponse du cheikh, elle est claire. Le cheikh il dit: إذا قال شخص أسألك بوجه فلان هل هذا يصح بينه وبين الناس لا بأس أما الله لا يسأل بوجه فلان أما بينه وبين الناس يقول بوجه أبيك أو بحق أبيك لا بأس ما يخالف مثل ما كان عبد الله بن جعفر يقول لعمي علي أسألك بحق جعفر يعني بصلة الرحم أما الله لا تقول أسألك بأسمائك الحسنى وبإيماني بك وبمحبتي لك. Donc quelqu'un il dit à une autre personne: je te demande par le visage d'un tel, est-ce que ça c'est permis? Il dit si tu le fais entre une personne, si c'est deux personnes qui le font, une personne le fait par rapport à une autre personne, ça c'est permis. Mais pas demander à Allah par le visage de quelqu'un. Hein? Mais si c'est entre deux personnes, une personne il dit par exemple: je te demande par le visage de ton père ou par le droit que ton père a sur toi, ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Comme par exemple quand Abdullah ibn Ja'far, Abdullah le fils de Ja'far, il disait à l'oncle de Ali, parce que Ja'far c'était l'oncle de Ali, il lui disait: je te demande par le droit de Ja'far, c'est-à-dire par le droit que j'ai sur toi par rapport au lien de parenté, le droit qu'il a sur toi par le lien de parenté. Hein, parce qu'on sait que dans l'islam, celui qui a un lien de parenté avec toi, il a un droit sur toi. Donc, si tu lui demandes par le droit de son père ou le droit de son oncle, eh bien, ça c'est un lien de parenté, ça c'est permis. Mais si tu demandes à Allah, non. Comme les soufis par exemple, ou les gens qui demandent à Allah par le droit d'une créature ou par le visage d'une créature, ça c'est pas permis. Hein? Tu peux pas dire: oh Allah, je te demande par le droit d'un tel sur toi, ou oh Allah, je te demande par le visage d'un tel ou par le prophète. Ça c'est une bid'a, c'est interdit de faire ça. Hein? Parce que personne n'a un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et qu'est-ce que tu dois faire si tu veux demander à Allah? Tu lui demandes par ses noms, par ses attributs, hein, par ses beaux noms. Tu lui demandes par ta foi en lui, par ton amour pour lui. Oui, ça c'est permis, mais pas par des créatures ou des choses comme ça. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée au cheikh. Alladhi yastahillu al-hukm yu'tabaru taghut. الجواب كافر طاغوت كافر يسمى طاغوت ولو ما استحل ولو حكم بغير ما أنزل الله ولو ما استحل. Donc le cheikh lui a posé la question: celui qui rend halal le jugement par autre que la loi d'Allah, est-ce qu'on l'appelle ou est-ce qu'on le considère طاغوت? Le cheikh il répond, il dit كافر, hein, طاغوت كافر طاغوت kafir. Il dit on l'appelle taghout même s'il ne le rend pas halal.
même si il dit ici, il juge par autre que la loi d'Allah, hein, même s'il ne le rend pas halal, on peut l'appeler tarout, même s'il ne le rend pas halal. Ensuite, une autre question. من استدل على الحكم بغير ما أنزل الله أنه يختلف عن الزنا والأحلام والأحكام الأخرى بالآيات والأحاديث؟ الجواب: ما علينا، مثل ما صرح الصحابة ابن مسعود وغيره كفر دون كفر. لو أن إنسانا حكم لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو لصديقه ومال في الحكم ويعلم أنه مائل، هل يكفر؟ لا يكفر. Donc ils ont posé la question. Ils ont posé la question au cheikh. Si quelqu'un quand il parle du fait de juger par autre que la loi d'Allah, il essaie de ramener des arguments, des versets et des hadiths pour essayer de montrer que il y a une différence entre le fait de jurer, entre le fait de juger par autre que la loi d'Allah et l'adultère, hein, et les autres règles. Il essaie de prouver ça par des versets et des hadiths. Le cheikh dit: ma alayna, il dit ça nous dérange pas, parce que c'est clair qu'est-ce que le sahaba ibn Mas'ud a expliqué, le sahaba ibn Abdullah ibn Abbas a expliqué à ce sujet-là, que ça c'est un kufr moindre que le kufr, c'est un kufr mineur, et que si quelqu'un juge pour son frère, en faveur de son frère, ou en faveur de sa mère, ou en faveur de son père, ou en faveur de son ami, et qu'il penche, hein, c'est-à-dire qu'il s'écarte de la vérité dans son verdict, alors qu'il le sait, est-ce qu'il l'a mécru? Non, il n'a pas mécru. Le cheikh il dit non, il n'a pas mécru. Hein, il n'a pas la yakfur. Donc il ne devient pas mécréant pour ça. Et un cheikh, à la Moustawa Doual, ils ont posé la question encore au cheikh et au niveau des pays. Le cheikh il répond: voilà, il dit, même si c'est au niveau des pays, la même chose. لو أن لكن المعصية تعظم إذا حكم لاثنين أكبر إذا حكم لثلاثة في اليوم أكبر وإذا حكم لعشرة يكون أكبر. Donc le cheikh il dit, même si c'était pour un pays, c'est la même chose, c'est un kouf mineur, c'est pas la même chose, c'est pas un kouf majeur. Il dit, mais le péché va devenir plus grand. Mais le péché va être plus grand. Comme si par exemple, il dit, si par exemple il juge en faveur de deux personnes ou pour deux personnes, c'est plus grand qu'une personne. Et s'il juge pour trois, hein, par autre que la loi d'Allah, c'est plus grand comme péché que si il juge moins. Et s'il juge pour 10, c'est encore plus grand. Donc ça fait augmenter la grandeur du péché, mais ça ne devient pas une mécréance. Hein? Et l'autre question qu'on a posée au cheikh: وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ كَذَلِكَ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ أَيَكُونُ كُفْرًا لَا إِنَّمَا يُنَافِي كَمَالَ الْإِيمَانِ. Donc ils ont posé la question au cheikh, comme c'est mentionné dans un hadith. Et même s'il fait le zina, et même s'il vole, le cheikh dit, même s'il fait le zina et même s'il vole, est-ce qu'il va devenir mécréant? Est-ce que ça va être du kufr? Il dit non. Non, c'est pas du kufr. C'est quelque chose qui vient en opposition ou qui contredit la perfection de la foi. Mais ça annule pas la foi complètement. Une autre question qu'on a posée au cheikh: voilà, qu'en est-il fait nafsou? ما يدل على استحلال إقامة المحاكم والدعوة إليها والدعوة إليها؟ الجواب: لو زنى يحكم عليه أنه مستحل. ما الذي يخرج هذا؟ لو زنى أو تلوط أو شرب الخمر، هل يقال له كفرت؟ Donc ils ont posé la question au cheikh, ils ont dit: mais cheikh, l'action elle-même, n'est-ce pas que ça indique que la personne rend ça halal lorsqu'elle établit des
tribunaux ou bien des choses comme ça, où il invite aux tribunaux. Le cheikh, il dit, si quelqu'un fait l'adultère, est-ce qu'on va juger la personne en disant qu'elle l'a rendu halal parce qu'elle l'a fait? Donc, bien sûr que non. Hein? Donc il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait sortir cet exemple que vous avez mentionné de l'exemple du zina? Hein? Que si quelqu'un a fait le zina ou a fait l'homosexualité, hein, la sodomie, ou a bu de l'alcool, est-ce qu'il devient mécréant pour ça? Non. Donc, tant que la personne ne l'a pas rendu halal verbalement, donc la personne, on ne peut pas la déclarer kafir. Hein? On va dire que c'est une personne qui est un pécheur, un pervers pécheur, qui est à la fois faible, mais on ne va pas dire de lui que c'est un kafir. Donc ça, c'est ce qui vient compléter les questions de ce cours-là. Et ça, c'est des bonnes questions, parce que ça clarifie beaucoup de choses par rapport à la question du takfir des dirigeants et de toutes ces questions-là. Donc on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la suite de qu'est-ce qui est mentionné dans Kashf al-Shubuhat, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.